Et bonjour à toi à tous, c'est Fabien, j'espère que vous êtes tous bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WWE SmackDown pour le bilan du team du Road to Glory, de Becky Lynch. Ensuite, il y aura les pioches, les. Ce que vous avez raté depuis la semaine dernière. Les pioches que j'ai obtenues, les. Enfin, voilà. Je vais vous montrer mes cartes, qui ont pas mal évolué, je pense, ouais. Hop, il y a un peu du Goliath, 1964. On va donc juste attendre que le chargement se termine, on est à 60%. Je suis le team Road to Glory du 7 mai, ce sera Randy Orton. La Goliath, Randy Orton. Ça me fait pas une pour, mais bon, on va aller chercher quand même. Hein. C'est une bonne carte. On va aller chercher. Alors, tac. Rien. Alors du coup, impressionnant. Donc du coup, tac, moi je fais ça, le jumelin qui est en the ring et le tien Nia Jax. Nia Jax, je joue en pro forcément. Du coup, j'en relance une. Un Timo Touglo. Ok. J'ai négocié Triple H. Oh, ah bah tiens, Undertaker. Undertaker. Jericho, Ziggler, Triple H, Sheamus, John Cena, Jeff Hardy, Edge, Undertaker et Randy Orton. Bon. Que des gars que j'ai tous pro, sauf Randy Orton, que j'ai pas pro. Ouais. Et du coup, on va aller voir le pack gratuit, le pack Fromec. Kim WrestleMania, c'est quoi? Kim Booker 5000 Pro, ok. Non, fusion. Non, genre, comment il est sur Frobag, c'est possible ça. En gros, ça sert à quoi de mettre fusion Frobag? Rien. Ça sert à rien de mettre fusion Frobag. Ah, Kim Booker, je suis une pro, super. Tac, je me garde revenu en catalogue, superbe. Hop, après je vais montrer mes throwbacks aussi que j'ai eu hier. Voilà, tu sais pour une c'est gratuit. Les survivors, bon. J'ai déjà tout de toute façon les survivors. Ça ne sert à rien. Donc, tac. Du coup, dans le catalogue, on va aller voir en ultra rare ce que j'ai en ultra rare en throwback. J'ai eu X-Pack. J'ai eu X-Pack en Frobac.
Ok, ensuite dans les pics. Bam Bam Bigelow. Sonic Steve Austin. The Giant. C'est doux. Excellent fullback. Épique. Ah, Bradshaw. Et Faouk. Et Sugar en plus. Ok. Ensuite, dans légendaire. Michael Jim Dusty Rhodes. Rich Schichter. Hop. Après, Rikishi, Jake Roberts, je n'ai pas. Simon Sauter. Avec Badass Undertaker. En Survivor, j'ai eu tous les Survivor Pro en fait, en Survivor. J'ai tous eu. Mr. Perfect Courting. Demon Page. Kevin Nash. Matthew Lenny Savage. Ah, il en manque un. Road Dog. Oh, j'ai pas eu Road Dog. Mince. Moi qui pensais qu'ils étaient tous avant, mais non. Mon que Road Dog. En Survivor, je les ai tous. Ensuite, mince. C'est ce que je voulais faire. WrestleMania. Bret Hart, je l'ai pas. Eddie Guerrero. King Booker. Ensuite, Richard Wicklund. Hop. Mandela Mante du Bessie, je ne l'ai pas. Et c'est tout. Du coup, côté SummerSlam. SummerSlam, André Jane, je n'ai pas. Alors, ensuite. Marconi, je n'ai pas. J'ai assigné à Marconi, je l'ai. Shawn Michaels, Sting, Triple H, le tweet d'ailleurs je n'ai pas. En endurci, bah j'ai qu'une carte en endurci. Baptiste, je l'ai plus longtemps, Baptista. Brie Bella aussi, j'ai déjà, Brie Bella. Tac. Brie Bella. Ensuite, Randy Orton. Ouais, hein. Randy Orton, il y a.
Ric Flair. Même la gueule, je n'ai pas, c'est la seule qui me manque en endurci. En élite, je pense que j'ai mis en élite. Et j'ai cru que j'ai écho, mais pas Daniel Bryan. John Cena. Ni Triple H. Mais j'ai Trish Stratus quand même. Trish Stratus. Ensuite, en ultime, c'est ma meilleure paire gratuite que j'ai eue. C'est en ultime, j'ai eu. Alors, qui j'ai eu? Lita. J'ai eu Lita en throwback. En throwback ultime. Après les autres, Manka, je n'ai pas. Manka, je n'ai pas. Après, avec quoi? Stone Cold Steve Austin, je l'ai déjà depuis un bon bout de temps. Et c'est tout. Ouais, bon, ok. Alors du coup, je vais entrer mes cartes WrestleMania 34 que j'ai eu. Non, les bestiales, oui. J'ai enfin toutes les bestiales. Regardez, il y a toute la collection. J'ai toutes les bestiales. Regardez, hop, en normal, hein. Pas en event, en normal. Là, j'ai toutes les bestiales, hop. Hop. La seule carte qui manquait pour avoir toutes les bestiales, c'est Ramesh Sherrick Road. Oui, voilà, Ramesh Sherrick Road. La carte qui manquait pour avoir toutes les bestiales, c'est bien lui sur Ramesh Sherrick Road. Et j'ai toutes les cartes bestiales. Et c'est titanesque. Et monstrueux. Titanesque, il manque 4 cartes. Donc, Nataya, Jinder Mahal, Trish Stratus et Teddy Angel en titanesque. Et on se retrouve en 4, on commence encore pas mal de cartes pour les avoir tous. Donc du coup, on va aller voir les pioches que j'ai eues. Alors du coup... Survivor D, puis bon, ça va... Voilà. Voilà, donc du coup, on pioche en mode 34. Qu'est-ce que j'ai pioché? Qu'est-ce que j'ai eu? Alors, mode 34... Kofi Kingston, c'est un bon bouton qui est là. Ronda Rousey, ce que j'ai en récompense CBG, Ronda Rousey. Malheureusement, je vais pas chercher en event parce qu'il est en event en Road to Glory héroïque. Malheureusement, je suis pas allé chercher parce que, j'ai terminé à 115, 105 sur Jey Uso, titanesque. En héroïque. Bon, j'ai pas fait aller plus loin, malheureusement. Mais bon. C'est bien. Hop, ensuite, on est qui Nia Jax me fait une pro. Donc, j'ai pas encore envie de ces matchs. Et bon, ça ne devrait pas tarder. Et ensuite, après, j'ai une spéciale en 64. En Goyette, je fais mal de choses en Goyette. Hein. Goyette, alors, je vais vous montrer les Goyettes que j'ai eu. Tony Nese, il est là. Tony Nese Goyette Pro. Ouais, Tony Nese Goyette Pro, les amis. Ah, j'ai bâché la deuxième fois, c'est vrai. Alors, je vais montrer AJ Styles, The Rock, Becky Lynch que j'ai eu dans l'event, bien entendu. Becky Lynch. Donc, il a presque fait tous ses matchs. Ensuite, Triple H, Finn Balor, Shinsuke Nakamura, que je veux pro, puisque j'y ai aidé dans le TRT.
dans les RTG. Donc voilà, la deuxième Nakamura, il n'a pas encore fini tous ses matchs, hein. Il est presque fini, il reste encore puissance vitesse charisme va terminer. Ensuite Drew McIntyre, Alex Abyss, Alex Abyss, et encore Alex Abyss, que j'ai bâché la troisième fois Alex Abyss. Du coup, The Miz, qui était ma dernière pioche Goliath, ben, l'une des dernières pioches Goliath, je veux dire, The Miz. Aussi Dean Ambrose, l'une de ma dernière pioche Goliath, Dean Ambrose. Et Akam, Reza, ma dernière pioche Goliath, Reza. Du coup, tac, on va enlever tout ça. Nia Jax, je sais pas si j'en prenais Nia Jax. Non, je vais vérifier. Je sais pas si j'en prenais Nia Jax. Je vais faire ça tout de suite. Dans le catalogue. Nia Jax. Alors, attendez une minute, en titanesque. Est-ce que j'ai en prenais Nia Jax? Je ne sais pas. Je vais vérifier tout de même. Pour voir si je fais pas une erreur. Nia Jax. Nia Jax, c'est derrière plutôt. Nia Jax, ouais, ça fait une pro donc j'ai regardé Nia Jax en titanesque. Tac. Du coup, je lance en titanesque. J'ai regardé Nia Jax. Ah, eu aussi Triple H en fusion. En fusion titanesque, Triple H. Donc, du coup, Nia Jax, je la garde, je lock. Très bien. Donc, du coup, on va aller faire du mode Elimination Chamber. Hein. On va faire du mode Elimination Chamber. Ok, donc. Une vidéo, c'était pas mal, c'est pas mal. Alors, truc qualification 1, ok. Donc, dans mon dernier, commence à 2000 PC, j'ai eu Ruby Riot Wrestle 34. 3 bestiales et monstrueux pour Kiesnar. Énergisant, parfait. En gros, 3 matchs soirées, 3 matchs de filles, d'accord, bonne semaine, bon. Ok, on va faire un Elimination Chamber, c'est parti. Donc, je suis toujours premier de ma ligue avec 13 383 points. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est de faire le mode wide, oui, parce que le mode wide, parce que j'ai encore entraîné mes cartes. Entraîner des W64 féminines, par exemple en AOC et Nia Jax pour la pro. Bon, pour l'instant, je prends pas. Pour le moment, je prends pas. Alex Abyss. Je vais attendre un peu. Que j'ai une deuxième féminine. Goliath à pro. Par exemple, Sasha Banks ou Peyton Royce. Et comme ça, je prends Alex Abyss pour le prochain event Last Man Standing. Si j'arrive à avoir un deck parfait en fait. Bon, moi, le deck parfait en féminine, ce serait Alex Abyss, Goliath Pro. Après, il y aurait Sasha Banks, Goliath Pro. Après, Mickie James, Goliath Fusion Pro. Et après, après, il pourrait y avoir quoi? Après, il y a aussi, Becky Lynch, hein. Becky Lynch, Goliath Pro. Goliath Event Pro. Là, ce serait vraiment le tag team idéal, en fait. Pour gagner mes matchs en Last Man Standing, ce serait tag team parfait. Et alors, surtout pour King of the Ring. C'est pas très intéressant en King of the Ring. Donc, il faut qu'en semaine, faut que je chope une diva. En Goliath normal, une diva, une féminine que je fais pro, bien entendu. Alors, tac. Ok. Hop.
Mince. Oh putain, je fais. Je vais faire une mauvaise manip. 4, parfait. Alors, du coup, en termes de match, il reste combien de matchs avant ma commence d'échelle? Je vais faire ça tout de suite. Alors, sur le match, on commence l'échelle. Il me reste 856 matchs. Pas mal, hein? 856 matchs, on commence l'échelle. Donc, j'aurai peut-être cette semaine, ou soit la semaine prochaine, on ne sait pas. On verra. Mais ça peut être faisable, hein? Je vous rappelle que je vais avoir un masculin Goliath, hein? Masculin Goliath bientôt, hein? Masculin Goliath, vraiment, c'est progression. Ah ouais, on va faire 100 000 matchs, 150 000, 200 000, 250 000, ça va être chaud, hein. Ça va être très très chaud, mais bon. Du coup, on continue l'Emission Chamber. On va faire les 5 accès en Emission Chamber pour faire un wide. Pour entrer nos cartes. C'est intéressant. Alors, du coup. Hop, parfait. Hop. 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 Parfait. Quel est ce mania? Tac, reset, encore 3 accès, c'est parti. Hop. Hop, on continue. Hop. Parfait. Très bien. J'ai pas dit, mais je fais des lives maintenant sur Twitch. On essaie de faire des lives sur Twitch maintenant. Mais bon.
Vu qu'il y a personne qui a gagné là sur Twitch, bon, c'est pas grave, bon. J'essaie de tenter des trucs, donc. Je pense que demain, je vais arriver sur Twitch demain. Demain, vers 9h ou 10h à peu près. Je ne sais pas. 9h ou 10h, on verra. Après, je l'arriverai le jeudi, vendredi. De 9h à 11h. Ou 10h à midi, peut-être, on ne sait pas. Je verrai si j'ai le temps d'en faire une. Oh, super, mais Goliath, super. Et voilà. Ok, Biggie. Ah, la pioche Goliath du jour. Une mallette. Oh, la mallette. Money in the bank. Ouais, Money in the bank. Ouais, petite pioche Goliath du jour, hein. Très bien. Ok. Tac, 5 risettes du dur. 5 risettes, hein. 5 risettes, les amis. 5 risettes, une mallette Goliath. 5 risettes. Bon. Pas le meilleur soutien que je voulais, mais bon, pas grave. C'est pas grave. On peut en rajouter une. Parfait. C'est dommage, c'est dommage. C'est pas le meilleur soutien du monde, mais bon. Voilà, une belle mallette, hein. J'ai pas mal, non. Bref. Pum. Qui a encore 10 minutes avant le froback gratuit. On va le froback pas gratuit. Donc il nous reste encore 2 jours pour avoir pour récupérer les frobacks gratuits. Dans les packs gratuits en fait. Après on aura plus. Après je pense qu'ils mettront les Hall of Fame. Les Hall of Fame dans les packs gratuits. On ne sait pas. Parce que bon, les Hall of Fame vont être ajoutés cette semaine sur ce backend. Donc je sais pas trop comment ils vont en faire en fait pour les throwbacks, pour les Hall of Fame. Et si on va faire encore un pack gratuit avec les Hall of Fame, je ne sais pas. On va voir. Mais ça, les Hall of Fame sont endurcis à. Ouais, 134. Donc, s'ils font ça pour avoir un minimum endurci en V134, mais pas gratuit. Pas Goliath, parce que Goliath, bon, ça aura un coup de chance, c'est bon. Les Goliath vont mettre dans les packs payants, en fait. Dans le pack payant, à 2400 de crédit. Alors du coup, tac. Ok, un spécial, on continue. On connaît accès. Seconde 2 et en seconde 2 vie. Parfait.
Hop. Très bien. Alors, tac. Moi qui étais le sonil. Hop, tac. Et match mal, je suis parti. Hop. Oh, Pekin. Please. Hop, parfait. Okay. Hop. 2 secondes, 9 secondes 5. Kinch. Ben je perds malheureusement. Nakamura. Tunis. Parfait. Très bien. On continue. Je sais qu'on a un reset. André Tunis. Ouais, je vais forcément. Ouais. Que moi. Je vais forcément. J'en ai terminé. Hop, Peking.
Twinies. Hop. Okay. Ok, un spécial, on continue. Encore 2 minutes, on n'est pas gratuit, for bike. On va aller chercher. Tonise. Avec moi. Ok. Ok, hop. Heures. Ok, c'est à chercher notre bac gratuit en Frobac. Après ce match, bien entendu. Ah, je peux forcément. Gagner. Que moi. Parfait. 2-1. Très bien. Alors du coup, on va aller chercher le pack gratuit, c'est parti. Hop, on revient au menu. Tac. Oh. Non, le match est terminé. Est-ce que j'ai gagné pour le match? Mais non, forcément, toujours que je perds à chaque fois. En Killzone, je perds toujours au Killzone. Toujours. Avec du perfect, pas gratuit. Attention, qu'est-ce qu'on va voir? Ok, match en message en pro. Super. Intéressant. À tout de suite pour notre pack. Ouais. Alors, ah oui, forcément. Toujours, je fais ça. Toujours me faire avoir, forcément. Toujours, je me fais toujours avoir. Bon, c'est pas, on va voir ce que c'était, hein. On va aller dans mes cartes. Alors, Hugo, qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, ultra rare. Non, pas ultra rare. Épique. Pas épique. Légendaire. Non, pas légendaire. Survivor. Non, pas Survivor cette fois-ci, attention. WrestleMania. Non. Ah, bah c'est Kim Booker, non? Ouais, Kim Booker. Ou je suis pas tant. Hein, ce... Ouais, je pense que c'est Kim Booker qu'on a eu, non? Je sais pas. Je vais vérifier, attendez. Hop. SummerSlam. Non, pas SummerSlam. Heat. Non, pas Heat non plus.
du team. Du team, non, ouais, 63. Non. J'ai 17. Non plus. Et ouais, bon, c'était. Je pense que c'est WrestleMania. Booker T, j'ai déjà en pro, je pense, Booker. Team Booker. Bon, c'est déjà en pro. Vérifier WrestleMania. Attends. Ouais. Attends, WrestleMania. 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 King Booker. King Booker. Vérifier. Ouais, j'en prends en plus. À moins que je sois une autre, je ne sais pas. Attendez. attendez. Hop. On va aller voir niveau bestial. Si on a quelque chose d'intéressant, bestial. Bestial. Non. Pas en bestial. Il faut aller. Bestial. Monstrueux, peut-être. Non, pas monstrueux. Titanesque. Titanesque non plus. On va s'attendre 4. Non. Et non, bah, c'était une WrestleMania alors. C'est une WrestleMania Booker T. King Booker, je veux dire. Donc voilà. On a du spécial, hein. Rien de spécial, donc on va continuer en mode sauvage, c'est parti. Pour faire le reset, avant de s'attraper pour cette vidéo. Hop. Hop. Hop, Nakamura. Hop. Ok. Tu continues. Hop. Hop. Denise. Hop. Bekinch. Bien malheureusement. Ok. Avec moi. Parfait. Et peut-être non, toujours pas la reset, on continue. Je suis à ce qu'on ait un reset après. Après, ça sera la fin de la vidéo. Hop. Tunise. Qui est parfait. N'est que moi. Ah, d'accord.
Ok, un leader en cas de forcément. Ok, Bray Wyatt Survivor. Voilà, donc les amis, on va s'arrêter pour cette vidéo. Donc je vais voir mes matchs de Nakamura pour voir si t'es à fond ou pas. Donc il reste encore 8 matchs en vitesse et 3 matchs en charisme. Ok, c'est pas si mal que ça. Pekinch. Ok, ça. Donc voilà les amis, on s'arrête là pour cette vidéo sur WWE Spoken. Cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et de commentaires, vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur WWE Spoken. Et sur ce, je vous souhaite de se passer une très très bonne journée et à la prochaine.